Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va jouer à Destruction Derby 1, le tout premier de la série. Alors vous le remarquez, on est sur Saturn, on n'est pas sur PlayStation, et déjà en premier, ce que je souhaiterais dire, c'est que la version Play 1 était mieux accueillie que la version Saturn. Oui. Alors vous allez me demander pourquoi, tout simplement parce que c'est une conversion de la version Play 1, et qu'elle est moins bonne en termes de graphisme et en termes de fluidité. Merci Psynosis. Donc c'est parti, donc Destruction Derby, si vous connaissez pas, je pense que c'est impossible, mais bon. C'est un jeu de voiture qui a la particularité d'être ultra bourrin, c'est-à-dire qu'on se rentre dedans, on casse les voitures, le but c'est d'être le dernier survivant, ou de gagner la course tout en explosant les autres. À l'époque ça marchait super bien cette série, même si maintenant c'est plus grand chose à voir et c'est un petit peu tombé dans l'oubli. Alors donc on va voir un petit peu ce que l'on a, on va voir les options déjà pour commencer. Avec ce menu tout en 3D. Alors, on a l'audio. Faut changer la musique, c'est magnifique. Bon, on va faire OK, voilà. Je pensais qu'il y avait plus de réglages, mais en fait, c'est juste le son. On va refaire option. On a le fastest lap et le control pad. Donc, le fameux pad dégueulasse de la Saturne. Hein. Si vous avez eu ce pad avec votre Saturne, changez-le. C'est le pire pad Saturn peut-être qui soit sorti. Pour la version normale, hein, celle du modèle 1, parce que c'est même du modèle 2 européen. Parce que franchement, celle-là, elle est vraiment horrible quand même. Alors, au niveau du manuel, c'est assez classique. Hein. Break review, accelerate, ok. Break review, on peut changer la vue. On peut changer le gauche-droite pour tourner gauche-droite. Tourner rapidement, par contre, c'est les gâchettes. Ça, c'est assez bizarre comme façon de procéder. Bon, un petit peu comme les burn-out quand on... Pas le burn-out, les wipe-out. Quand on freine, on utilise l'aérofrein, on utilise les gâchettes. Et ça permet de mieux tourner à droite ou à gauche. Ben là, c'est un peu pareil. Alors, on a plusieurs choix de voitures. Alors, je vais vous le lancer. Histoire 2. Parce qu'ils se sont dit... Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? En gros, quand vous choisissez une voiture, vous avez un écran de chargement et vous devez... Choisir la voiture dans une arène, vous allez voir. Donc on a la Rookie Psynosis, voici. Donc voilà, on peut l'avoir tourné, hein, ça c'est pas mal. Alors, je salue complètement hein, ce genre d'initiative. Mais bon, si on veut être un peu rapide et changer, choisir rapidement sa voiture, c'est pas trop le truc à faire. Alors ensuite avec la Rookie, on a l'amateur avec la Grim Reaper. Voilà. Alors on se ressemble un peu toutes hein, les voitures, même si elles ont beau être en mode pro, amateur ou débutant. On a la Pro Smoothie. La Rookie. Donc on va prendre la première. On a le choix du tracé. Donc on a le Speedway, on a le Crossover, on a le Ocean Drive, on a le Cactus Creek. On a le City Heat et le Speedway. Alors je vous propose de pas forcément commencer par le premier circuit parce qu'on va se le taper je pense quand on va faire un autre mode. On va faire un circuit par exemple comme Ocean Drive qui m'a l'air sympa. Voilà. On a le mode de jeu. Donc vous allez voir on a plusieurs modes. On a le Wrecking Race, donc ça c'est une course. Stock Car Racing, Destruction Derby, Time Trial. Alors Time Trial c'est on est tout seul, on va faire le meilleur temps autour. On a le Destruction Derby, là je crois que c'est le mode bourrin, le dernier survivant qui gagne. On a le Stock Car Racing, Wrecking Racing, je sais plus trop la différence, on va voir un peu entre les deux. Alors histoire 2, on va commencer par le premier mode. Hein. Et dans ce premier mode, on a une practice course, un championnat ou un multijoueur ou un duel.
On va pas faire multijoueur et duel, puisqu'évidemment, on n'a pas de manette. Et je n'ai pas d'amis. Alors, on va faire Race Practice. Et on va faire... Go! Alors vous voyez, c'est assez long, assez redondant, c'est un petit peu dommage. C'est pas des menus... On sent qu'ils ont voulu faire un effet 3D pour faire cool dans les années 95-96. Mais c'est pas le plus pratique, hein, concrètement. Allez, c'est parti! Oh purée, bah en plus j'ai commencé par le... J'ai commencé par le, par la marche arrière. Allez, c'est parti! Alors vous allez dire, waouh, ça pique dès le début. Bah oui, carrément, ça pique complètement comme jeu. Donc là, vous voyez, on a race point, on a 0, et on est premier sur, sur 20. Il y a 20 voitures, donc ça c'est pas mal, c'était plutôt énorme quand même. En général, les jeux de voitures avec autant de véhicules, c'était plutôt les jeux de NASCAR, ou même les jeux de F1. Mais là, ils ont fait pas mal avec 20 voitures, même si elles se ressemblent un peu toutes. On a bien entendu, ben, vous l'aurez remarqué, la gestion des dégâts. Alors qu'à l'époque était plutôt impressionnante, maintenant ça va vous paraître ridicule. Il faut vraiment se placer dans le contexte, hein, vraiment là, pour tout, hein, que ce soit pour les graphismes, le son, les véhicules. Alors, on est au troisième tour sur 10, c'est un circuit assez court, hein, puisque le but quand même c'est de se batailler contre d'autres voitures. On a 0 points de course par contre, hein. Vous allez voir. Là on va faire une course normalement. Mais normalement, si je sors des voitures, je vais gagner des points, il me semble. Mais bon, on va essayer. On va essayer de casser du... Casser de la ferraille. Bon, 0 points pour le moment, j'ai rien fait du tout. Ah, j'ai complètement loupé. Oh, j'ai bien réussi à prendre un virage par contre. Est-ce qu'on peut péter une bagnole? Je sais pas. J'ai mis une voiture à 180 degrés, ça m'a fait 0 points. Allez, on va essayer de se faire là. La voiture devant nous. Alors l'angle de caméra est assez particulier. Vous remarquerez que la caméra se tourne un peu très tard. Et du coup, il faut vraiment anticiper le virage. Alors on va rentrer dans celle-là. Oh, il s'est rien passé. Il s'est rien passé du tout. On peut changer de vue, vous allez voir. Attendez, il faut que je retrouve la touche. Voilà, là je peux mettre une vue encore plus éloignée. Là, je peux mettre vraiment une vue plus proche. Voilà, encore plus proche. Et là on est carrément en caméra embarquée. Alors caméra embarquée, ça rend pas mal. Vraiment en 95, c'est plutôt cool. Oh là, regardez, je fais n'importe quoi. Et là du coup, je suis complètement bloqué. On a les dommages qui s'affichent en bas à droite, vous l'avez vu, avec des petits points verts sur chaque côté de la voiture. Et tant qu'ils sont pas orange ou rouge, bah, les dégâts sont pas critiques, donc pour l'instant on est pas mal. Par contre, j'ai pas l'impression d'avoir marqué beaucoup de points. Hein. Je sais pas si on marque des points en cassant les voitures, et pour le moment, c'est 0 points. La distance d'affichage est pas énorme non plus, vous en rendez compte quand même, il y a un peu de clipping. Mais le décor qui apparaît au fur et à mesure, c'est assez... assez brouillon à ce niveau-là. Ah, on a cassé une voiture. Vous voyez que j'ai l'avant qui commence un petit peu à passer au jaune. Je vais essayer de casser celle-là, non j'ai pas réussi. Un peu du mal avec la gestion de la, du gabarit de la voiture en fait et de l'éloignement entre les voitures. On est quasiment au dernier tour. Vous remarquerez aussi que les... Ouf, là par contre on l'a complètement explosé. Vous remarquerez aussi que l'ombre des voitures est une ombre noire et que les fumées qui se dégagent du dérapage sont en... ne sont pas transparentes et c'est évidemment comme beaucoup de jeux Saturn. Une limitation, alors que c'est pas une limitation de la console, hein, c'est que c'est tellement compliqué pour les développeurs à mettre en place qu'ils n'ont pas fait. C'est pour ça que ce portage a été jugé comme un portage très très mauvais de la version PlayStation. Parce qu'un jour on fera la version PlayStation histoire de comparer, mais concrètement il n'y a pas grand chose hormis les graphismes. Donc là on a gagné, on a fini premier. Je pense pas que ça nous rapporte grand chose, on va voir. Ah bah non, il n'y avait rien d'autre à faire, donc on va valider. Allez, on va passer dans un autre mode, on va essayer un autre mode de jeu. Donc on va faire... Restart button. Après ils ont été gentils, Psygnosis, parce qu'à la base il y a beaucoup de jeux qui devaient sortir que sur Play 1, qui ne sont pas qui sont sortis après sur Saturn, mais qui n'auraient pas forcément dû l'être. Bon, on passe par exemple à Tomb Raider, on passe à Destruction Derby, mais il y a aussi Wipeout.
On peut dire qu'au Psymasis, à l'époque, c'était quand même le géant dans ce qui était simulation, un peu de course. Un peu dans tout type de jeu, en fait, hein, même avec les Colony Wars et tout. Franchement, Psymasis, de 95 à 2000, il faisait mais quasiment que des bons jeux, quoi. Alors, on va faire Wrecking Wrecks, on va changer. On va faire votre mode de jeu. On va faire Stock Car Racing. On va faire Destruction Derby, tiens. Alors là, on a un championship multiplayer, on va faire toujours Race Practice. Et on a The Bowl, donc évidemment c'est un Destruction Derby, donc on est dans une arène. Et là le but, bah, ça va être de faire je crois le plus de points tout en étant le dernier survivant. Il me semble que c'est un peu les deux. Je sais que dans le Destruction Derby Raw par exemple, il faut être à la fois dans les derniers tout en faisant le plus de points, en faisant faire des figures aux autres voitures. Regardez, toutes les voitures sont lancées. On va essayer de faire le tour. Je sais pas si j'ai des respawns. Ah, mais les respawns, je crois que c'est en tuant d'autres voitures. Le présentateur est totalement au taquet. Hein. Alors, le son bug un tout petit peu, je suis désolé. On a 6 points de coup. On est à un respawn 6. Attendez, on va s'en pas s'en demander. En plus, il y a des problèmes de voitures qui disparaissent légèrement. Il y a le décor qui se barre un peu. Alors, j'ai le jeu original sur la Saturn, juste pour préciser. J'ai pas énormément de jeux originaux sur Saturn, hein, concrètement, mais celui-là en fait partie. Et je me souviens qu'à l'époque, quand j'y avais joué, bon, c'était marrant, mais c'était pas vraiment le jeu qui m'avait le plus plu déjà, hein, à la base. Ça reste un jeu correct, hein. Vraiment, c'est pas un jeu pourri. Loin de là, mais bon, voilà. Hein. Ça a tellement mal vieilli. J'ai failli toucher la noire. Alors, ce qui peut bien marcher aussi, c'est de faire une marche arrière. Voilà, comme ça on tape un petit peu nos collègues avec la face arrière. Et du coup, on prend un peu moins de dégâts. Enfin, faut le dire vite quand même. Faut le dire vite. En tout cas, là, une marche arrière qui est ultra puissante. Ah, j'arrive même pas à les toucher en fait. Parce qu'au bout d'un moment, elle glisse. Regardez le décor qui a disparu complètement derrière. Voilà, 360. Donc là, on va marquer des points. Ah, j'ai du mal à la contrôler. En marche arrière, c'est pas évident. La voiture, elle tourne d'un seul coup. Il faut que j'évite de casser ma voiture aussi. points. En fait, on marque les points quand on est plus rapide que la voiture sur laquelle on rentre dedans. Voilà, là par exemple, 42. J'ai fait un 360 degrés. Apparemment, ça a plu aux spectateurs. Faut que je fasse gaffe parce que je suis rouge devant. Et si je passe au noir, là c'est mort. Alors, il y a l'air de plus avoir beaucoup de voitures. Enfin, je dis ça, mais en fait, si, il y en a beaucoup. Alors, essayer de faire celle-là. Ouh, on l'a touché légèrement, mais c'est rien passé. Mais quand la voiture elle commence à fumer, ça veut dire que bah là c'est la fin, hein, concrètement. On va se mettre un peu en marche arrière. J'aime même mettre en marche arrière parce que du coup c'est une des seules solutions. Voilà, pour taper. Encore 50 points. Encore un peu. 52 points. Ouf, par contre là j'ai tapé le mur. Ouais, les dégâts quand même sont plutôt bien réalisés. On a le capot qui se lève. Enfin, c'est. C'est plutôt bien rendu. Disons que quand ils ont fait les. Quand ils ont fait la suite après, ils avaient une bonne base déjà. Ah, dommage, on a essayé de se rentrer dedans, ça n'a pas marché. Alors, est-ce que je peux tuer toutes les voitures? Ouh, la voiture violette par contre là, elle va me chercher. Alors, où est la voiture violette? Vous voyez, il reste encore quelques voitures en vie. Alors, normalement, quand elles sont noires, c'est qu'elles sont mortes complètement. Hein. Allez, on va essayer encore de faire un tour. Je crois l'avoir vue, elle doit être là. C'est quand même bizarre de se faire de la marche arrière en boucle. Ah! Allez, je fume pas encore. Je
fume pas encore. Qu'est-ce qu'il nous reste comme voiture à détruire? Ah, il y en a une là-bas, là, qui a l'air encore en vie. Ouf, par contre, c'est moi qui me suis fait mal, là. C'est pas évident, hein. Ouh. Ah bah là, je crois qu'on est quasiment mort. Non, c'est bon, on est encore blanc. On a la verte qui est venue nous chercher. Elle est là, la verte. Elle est là, elle est là, elle est là. Voilà. Je suis encore en vie. Regardez-moi le... C'est devenu un cimetière de voitures. Bon, là, il reste plus grand-chose. Je sais pas ce qu'on est censé faire maintenant. Oh, on s'est traversé complètement. Attendez, je marque 360 en faisant 360. Oh! Comme je les ai esquivés. On est plus que 3. Non, plus que 3 ou 4. J'arrive pas à voir la fin en fait. Oh la vache, ils sont juste devant. Ouais, j'ai un bord qui clignote. Hein. J'ai le côté avant-droite qui est quasiment mort. Voilà, j'aurais essayé. On a quasiment plus rien. J'ai même pas marqué de points, je crois, dans cette action. Le pire, c'est qu'ils vont se suicider tout seuls, en fait, j'ai l'impression. C'est ridicule. On n'arrive même plus à avancer. Regardez, toutes les voitures sont sur le bas-côté. Alors je sais pas comment on fait pour s'arrêter, hein. Je sais pas quand c'est censé se finir. Pfff. Ouais, la verte elle est allée me chercher. Je pense que la verte elle est pas mal, elle, parce que... Ah bah elle s'est cassée la gueule, non? Je l'ai encore touché. Ouh, ça fait, il se touche à nouveau. Bon, je pense qu'on va bientôt se suicider parce qu'il n'y a plus rien à faire. Oh non! Race over. Donc on a marqué 74 points. Alors on n'est pas dans les derniers survivants. Enfin, si, quand même un petit peu. Mais on n'est pas le dernier survivant. Mais du coup, je sais même pas dire si on a gagné ou pas. Je pense qu'il faut vraiment être le dernier survivant. Donc vous voyez, c'est extrêmement vie. Je sais pas si vous avez joué à S60 Derby 2 ou 64 avec le même mode. Où toutes les voitures partaient en rond, dans une sorte de colisée. Elles allaient tout droit dès le début, les voitures sont rentrées dedans et commençaient à décoller de partout, ça faisait genre presque un champignon atomique, c'était assez impressionnant. Allez, on va changer, on va mettre un autre mode de jeu. On va faire un mode... Stock Car Racing, donc à faire. Et pourquoi pas un petit championnat, pour voir un peu ce que ça donne. Alors, enter your name. Donc ça c'est bon. Ouais, c'est du coton bouclé en fait. Del. Allez, end. Et on va faire go. Allez, first race sur Speedway, donc c'est un ovale. Je pense que ça devrait être pas trop compliqué, mais bon, comme c'est un jeu à l'ancienne, ça veut rien dire. Apparemment, le jeu était considéré comme un jeu assez facile à la base, donc on va voir. Allez, c'est parti, c'est un Destruction Derby, donc je sais pas trop le délire avec ça, mais bon. En tout cas, c'est un ovale, donc on va essayer de... On a les trois premiers. On est tous d'un côté de l'autre, on va essayer de se toucher. Oh, j'ai sorti le deuxième. Ça c'est parfait, ça crée un bouchon derrière. Il y a 12 tours à faire, c'est plutôt long. Bon, après le circuit est quand même assez court, donc ça devrait être plutôt rapide. Et ouais, ce qui va commencer à être compliqué, c'est quand il va y avoir beaucoup de monde devant.
et qu'on va rejoindre les pilotes à un tour, là il va avoir un peu plus de... Il va falloir faire gaffe en fait, il va falloir pas trop se rentrer dedans. Donc vous avez vu au niveau des graphismes, au niveau du circuit, c'est un petit peu le même système en fait, c'est-à-dire qu'on a un mur en... Bah, il est même pas en 3D le mur hein, concrètement, enfin ici il est en 3D mais c'est un mur de papier hein, parce qu'il est super fin. Et concrètement, bah, c'est ça qui nous bloque, on peut pas aller un peu plus, on peut pas aller dans le décor, on peut pas sortir de la piste, on est vraiment... Bah, c'est sur des rails quoi, concrètement. Alors j'essaie de faire gaffe de me frayer un chemin dans les retardataires. Voilà, les graphismes à l'époque étaient considérés comme plutôt pas mal, pas transcendants, mais plutôt correct hein, pour une année 95, c'était quand même déjà une bonne claque. Vous voyez, on a quand même des textures qui partent en fait, qui apparaissent devant nous, mais qui disparaissent sur le côté. Si vous suivez par exemple la structure du stadium à droite, vous allez voir là, regardez, elle va disparaître complètement. Ouais, on voit que ça disparaît au fur et à mesure. Bon, pour l'instant, on est en tête, tout se passe bien. Ah là, et non, c'est l'accrochage. Et du coup, d'ailleurs, on va se faire rentrer dedans. On va vite faire un... Voilà. Je me referai rentrer dedans. En général, c'est l'emballement. Hein. Quand vous faites rentrer dedans, bah, derrière, ça suit. Ça va comme des bourrins. Et c'est ça qui était marrant, d'ailleurs. C'était le côté un peu fun du jeu. C'était takedown avant l'heure. Même si, comme je l'ai déjà dit, ça a complètement vieilli. Vraiment maintenant. Oh la vache, on a réussi à s'en sortir. Oh, il y a un carton de vente. On sait, c'est le bouchon. Oh là là, et derrière, ça s'empile. C'est une orgie de voiture que nous assistons ici. On a le droit au logo Sega quand même. Puis qu'on est sur la ceinture. Alors je pourrais changer de vue, mais je trouve que cette vue est pas mal. Bon, la vue embarquée effectivement est mieux. Oh alors là par contre il va falloir que j'arrive à passer. Alors au niveau de la framerate, c'est pas transcendant, hein, même sur le... Enfin, je vous dis, là moi j'ai eu la version réelle, enfin la version originale, totalement originale. La framerate c'est pas ça non plus, hein. C'est correct mais sans plus. Ouf, je me fais carrément... En plus sur votre attaque ils s'en fichent, hein. Vous soyez devant eux ou pas, ils vous laissent pas passer. Et du coup on a gagné la première course. C'est plutôt bien passé. Allez, ils continuent par contre évidemment. Mais qui n'ont pas fini. Alors, View League, View Replay, Next Race. On va voir View League quand même. Qu'est-ce qui se passe? Alors, le docteur 10 points, Barmy Army 7 points, le Taxman 4 points, Suicide Squad 2 points. Bon, on va faire un Next Race. Et on va voir le deuxième circuit qu'on n'a pas fait d'ailleurs, le crossover. Et là, vous voyez la particularité de ce circuit, c'est qu'on va se rejoindre au milieu. Donc concrètement... Au bout d'un moment, vous avez beau être en tête ou derrière ou machin, bah devant ça va s'empiler puisqu'on va se rejoindre au milieu. Donc par quatrième. Alors vous voyez là c'est assez sombre. La Saturn a souvent eu des jeux assez sombres en comparaison avec ses homologues. C'est à cause d'un... justement le manque de... Ah! Hop là, on va essayer de se dégager de là. Alors attention, on va se rentrer dedans bientôt, ça va arriver. Ouf, c'est bon, on a esquivé le premier. Ah, faut que j'arrive... Oh non, il se touche. Et du coup, c'est pas ma troisième, c'est lui. Ça va falloir faire gaffe. Attention. Ouf, ouf, là, ça se rentre dedans. On est en train de perdre le contact sur le podium, par contre. Mais peut-être pas pour longtemps. Hein. Non, ça va, il n'y a personne pour l'instant au milieu. Où est le troisième? Où est le troisième? Il est là, il s'est un peu fait toucher moi aussi. Oh là, par contre, j'ai mis une voiture d'or, mais complètement. Oh, on s'en est plutôt bien sorti. Du coup, on va récupérer la troisième place. On est même en lice avec le deuxième. Alors là, c'est carrément le côté totalement random du jeu. Oh mon dieu. C'est-à-dire que là, vous allez arriver sur cette portion. Et vous savez pas ce qui va vous arriver, même si vous ralentissez un peu, ça reste très aléatoire. Et c'est un petit peu dommage d'ailleurs, ça dépend en compte le skill. Oh, j'ai réussi à traverser, il s'est rien passé. Du coup, on va rattraper le second qui nous envoie dans le mur.
Oh, on est passé. On est passé. Alors le premier par contre a l'air beaucoup plus loin. Lui a l'air d'être passé dans les embûches. Enfin sans embûches justement. Ça va, on est passé. Je commence à avoir compris un peu le... comment s'en sortir dans cet enchaînement. Oh yes, on est premier. Ouh, la voiture verte, elle a failli nous... elle a failli nous exterminer, quoi. Elle a failli transformer notre voiture en citadine. Ouah, c'est bon, c'est passé encore. Bon, ça va, niveau dommage, le jeu est assez permissif, hein. Vous radez la voiture en bas à droite. On est quand même... attention. Oh, attention, le deuxième. Oh, le deuxième, il a fait un tour quasiment. C'est là où ça va être compliqué. Non, c'est bon, on est passé. Allez, il nous reste deux tours à faire. Je me prends tous les murs. Mais c'est pas grave. Là, on est encore passé. Oh, la voiture verte qui nous a sorti. Allez, on va faire une marche arrière, c'est bon. Bon. Par contre, on a l'aile droite qui est complètement massacrée. Allez, ça peut le faire, ça peut le faire, ça peut le faire. C'est bon, on est passé. Voilà, c'est passé, c'est passé. C'est passé de... c'est passé assez mal, mais suffisamment, je pense, pour pas se faire attraper par le premier. Elle a encore une tentative. C'est bon, c'est passé. Par contre, la voiture, elle commence à tirer à droite. Hein. Je crois que j'ai pété carrément l'aile. Yes! Oh, c'était juste, hein, parce que la voiture, elle commence à tirer complètement à droite. Bon, bah, du coup, on gagne. Ça, c'est cool. Alors, view replay, on peut voir le replay. On va faire next race et je pense qu'on se quittera sur le replay de la dernière course. Ah bah c'est Ocean Drive. Donc c'est parti. Alors, buckle up and sit tight. Alors, asseyez-vous. Tight, c'est court, enfin c'est... je sais pas, je vois pas trop le meaning de la phrase, mais... allez, c'est parti. Très mauvais départ, mais bon, on va dire qu'on va se refaire. Alors là par contre il n'y a pas de croisement, donc logiquement si on est plutôt doué on devrait s'en sortir. Sauf que voilà, on a fait des bêtises et du coup on se retrouve un peu plus loin. Alors on a un mode rookie, donc évidemment c'est pas le plus difficile. On n'a pas la voiture la plus rapide du jeu non plus. Je pense qu'en mode pro ça doit être encore plus fun. Oh yes, on a passé le deuxième de manière totalement legit. Hein. Oui, legit pour Destruction Derby, hein, je précise. Là, c'est pareil, c'était totalement legit. C'était un move tout à fait correct, hein, je veux dire. Rien à dire. Envoyer le mec dans le mur, c'est... ça pose pas de problème. Ouf, par contre, je fais n'importe quoi. Alors là, on est dans le trafic, donc il va falloir faire gaffe. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même... et... elle tente quand même de vous foutre dehors, hein. elle est pas trop passive. Et c'est ça qui est intéressant dans le jeu. Allez, on a 4 tours sur 10. Il m'a bloqué. Il a insisté, du coup on est complètement bloqué. Bon, quoi dire de plus sur ce jeu? C'est un jeu qui est plutôt court. Il n'y a pas trop de contenu, mais bon, c'est un petit peu le défaut des jeux de cette époque de la 3D. En général, ils avaient tellement misé sur la 3D que le reste, le contenu, etc., c'était assez limité. Ça s'est bien amélioré ensuite. Alors, Destruction Derby 2 pour moi est quand même bien meilleur que celui-là. Mais celui-là quand même son côté plutôt sympathique, hein, son côté oldies assez marrant. Et puis le maniement est sympa. Le maniement des voitures, mine de rien, je le trouve beaucoup plus précis que celui du 2. Celui du 2 est vraiment trop, encore plus arcade et ben je sais pas, il y a un truc, il y a quelque chose qu'on perd en réalisme.
Netflix c'est un peu moins bien. Par contre Destruction Derby 2, bon ben voilà, ils ont quand même pris tout le reste. C'est beaucoup plus fun, beaucoup plus spectaculaire. Et regardez le bouchon qui s'est formé. C'est marrant parce que la voiture rouge et blanche, on dirait, j'ai l'impression de jouer à Toka avec, avec la Honda, Honda Accord. Et j'ai encore tapé. Et il a tapé. Coup de boule, coup de boule. On va arriver dans le dernier tour, je vois même si c'est même pas la fin d'ailleurs. Non, il reste plus qu'un tour à faire. Alors souvent j'ai remarqué qu'ils s'amoncellent beaucoup ici, donc c'est ici qu'on peut les rattraper. Et en prenant les extérieurs ça marche pas mal hein. On prend pas mal de vitesse en sortie, du coup on les double. Eux ils ont trop tenté à se dépasser, du coup ils sont rentrés dedans. Et c'est une victoire encore. Et on leur a carrément mis un tour hein, c'est... Je vois même si on n'a pas quasiment failli mettre un tour au troisième, parce que j'ai vu le troisième sur l'autre côté de la route. Alors, on va faire un next race, quand même, parce qu'on n'est qu'à 30 minutes. Et on va pouvoir voir un peu ce que ressemble cette course de Cactus Tree, Cactus Creek, pardon. Hey, crève ta gueule. Hop 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 hop, j'ai fait louper le go du coup. Allez c'est parti. Oh ce circuit m'a l'air alors je sais pas ce qui va se passer après, mais à mon avis ça va finir comme le deuxième circuit, c'est à dire qu'on va se retrouver tous au milieu. Alors là on est en... là on a la queue leu. Ok. Bon bah alors là il va falloir gérer. Alors de ce que j'ai compris, il faut terminer les trois premiers parce que j'ai pas eu de classement. Donc je me dis, bon, le deuxième il est out, c'est bon. Ouh, on a esquivé une voiture, ça c'est pas mal. Alors circuit plutôt sympa. Alors ce que je trouve bizarre avec ce circuit dans un petit peu dans la tombée de la nuit. C'est bon, le jeu n'a pas pris le CPU ne s'est pas dit tiens j'ai pris un choc. C'est le côté, quand c'est trop sombre en fait, on a l'impression que la console est en 16 bits en fait, même pas en 32. On a l'impression qu'elle manque de couleur. C'était déjà le défaut de la Mega Drive par rapport à la Super Nintendo. Mais là, bon, normalement au niveau couleur, elle a aucun problème la Saturn. Mais bizarrement il y a cet effet qui est assez courant dans les jeux de la Saturn justement. D'avoir un jeu un peu sombre, un peu contrasté, voilà, trop contrasté par rapport au reste. Bon, pour l'instant, ça se passe plutôt bien, on a réussi à esquiver tout ce qu'il y avait dans nous. Même si je prends tous les murs. Et là, il n'y a que 8 tours à faire, bien entendu, parce que le circuit est beaucoup plus court. C'est passé, mais de justesse à chaque fois. Ah, là ça a pas passé, je sais pas pourquoi. Ah si c'est bon. On a réussi. Par contre maintenant je suis dans le trafic, il va falloir que j'arrive à dépasser la voiture devant moi. Oh je l'ai mis dans le mur, c'était magique. On passe à travers les gouttes hein. Pour le moment ça se passe super bien. Encore ça se passe bien. On a fait quasiment 5 tours d'affilée sans prendre de gros chocs. Oh là c'est pareil. C'était de justesse hein. Bon je sais pas trop concrètement quoi vous dire de plus hein. On a déjà vu une bonne partie du jeu mine de rien. Alors après il y a le niveau de difficulté qui va changer. Mais hormis justement cette difficulté, ça va on a eu du bol. Bah pas grand chose. Alors j'imagine qu'il y a d'autres circuits après peut-être à débloquer. Peut-être une voiture en plus. Mais voilà, hein, ça s'arrête plus ou moins là.
Niveau technique, on est dans les bons standards de l'époque. Je veux vraiment plus vite que... Après, je pense qu'en mode moyen ou en mode pro, ça va pas être la même. Je prends pas mal de dégâts quand même, la voiture elle est déjà jaune-orange. Oh là, on est passé complètement entre les voitures. Ah, je m'attendais un peu, mais sinon, c'est bon. Finalement, cet angle de vue, bon, au début, c'est un petit peu bizarre, mais on s'y habitue vite, et je trouve que c'est pas si mal. C'est pas si mal. Bon, on l'aura plus dans le Destruction Derby 2, hein. Je vous réfère à la vidéo, d'ailleurs, de Destruction Derby 2, si vous avez envie de la voir. Elle a quelques années maintenant, je crois, alors au moins 3 ans. Down. Je sais pas ce qu'il dit, mais c'est la victoire. Allez, je fais un bouchon pour la fin, histoire de... Boum. Oh, il y a Next Race, attendez, il y a encore quelque chose après. On voit le replay ou on voit la Next Race? Bon, allez, Next Race. C'est la City Heat. Bah écoutez, on va faire ça là, et on verra au pire ce qui se passe à la fin. Ouais, on est qu'à 37 minutes, hein, donc on a quand même un peu de marge. Ah oui, on sent déjà où va se poser le problème en fait. C'est que le circuit est super serré. Les sponsors aussi sont assez bizarres, hein, sur le côté de la piste. Oh, le circuit est ultra court. Ouais, ce passage là est assez intéressant parce que... Il suffit de le louper. Et on se retrouve en plein milieu de la piste et ça doit entraîner un beau carnage. Pour l'instant, ça en est plutôt bien sorti. Ouais, je pense qu'il va... Ouais, il va essayer de me sortir. Ça, c'était presque une évidence. Wow, regardez, il faut slalomer. Ouais, je suis complètement tapé. Allez, on est deuxième, ça se passe bien. Wild Bill, je sais pas ce que c'est comme sponsor. On dirait un faux sponsor. Oh, elle va se finir vite cette course. Le circuit, le tracé est vraiment... vraiment light. Et on va déjà rattraper des voitures devant nous. Alors là ça va être intéressant parce que justement l'IA est complètement... Oh là, on va prendre l'extérieur. Oh là là, c'est magnifique, quelle belle action. À nouveau l'extérieur et du coup on est en tête. Ah, c'est vraiment une histoire de choix à faire, hein. À gauche, à droite, est-ce que l'IA va me couper? Est-ce que l'IA va m'enfoncer dans l'intérieur du virage? Est-ce qu'elle va continuer tout droit? Oui, l'IA a tendance à louvoyer pas mal, hein. Regardez. Oh, et le carton, ça va, j'ai réussi à m'en sortir. Alors, j'ai pas de vue arrière. En tout cas, j'en vois pas. J'ai fait toutes les touches là et j'ai pas de vue arrière. Ah, par contre, on est bloqué. Ah, regardez, il nous bloque complètement. Là, il nous bloque encore. Et du coup, le premier nous a rattrapé. Oh, je l'ai super bien pris ce virage. Je le savais. Je savais qu'il allait m'entrer dedans. Allez, plus que 3 tours à parcourir. Regardez comment il louvoie. Totalement.
Et là, c'est l'empilement, c'est l'empilement. Oh là 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 là. Il s'est fait même rentrer dedans. Bon, le commentateur dit souvent la même chose. Il varie pas trop. Aïe. Il varie pas trop les phrases. Non, non, va attendez, allez-vous-en. Ouais, c'est bon. J'ai créé un bouchon derrière, je pense que ça va bloquer le deuxième. Difficile de savoir où est l'IA, hein, de toute façon. On a deux voitures qui sont dans le mur. Allez, dernier tour. Je crois qu'il dit one more lap, hein, si j'ai bien compris. One more lap. Allez, 10-10. J'ai même pas besoin de m'embêter en fait. Voilà. Et c'est la victoire! Alors, ce qui va être intéressant de voir justement, c'est si on débloque quelque chose. Ou est-ce qu'on a encore un circuit, mais je ne pense pas qu'on va le faire. Ou si on regarde le replay. Et ben voilà, Division 5, on a fini premier, 250 points. Ce qui est plutôt intéressant. On va voir la ligue d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe. Division 1, Suicide Squad, 80 points, Barmy Army, 51, The Doctor, 33, The Textman, 39, ok. Ah, regardez, on peut changer de division. Du coup, Division 5, on a promis 250 points, c'est cool. Après, on aura la Division 4. Ok, bon voilà, donc le but, ça va être de changer les divisions. On peut faire Next Season ou sauvegarder. Et la première course sera au Speedway. Mais écoutez, je pense qu'on va se laisser là-dessus. En tout cas, Destruction Derby, bah, c'est un jeu qui pour l'époque était pas mal, vous l'aurez compris. Qui a très très mal vieilli maintenant. Je vous le conseille plutôt sur PC ou sur PS5 sur Saturn. C'est tellement mal de dire ça. Mais honnêtement, c'est le cas. Hein. Vaut mieux prendre la version Play 1. En tout cas, au niveau des consoles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!